Je t'écoute. Monseigneur, je crois que c'est la troisième fois que vous me convoquez. Je réitère que je ne suis pas marié, je n'ai pas femme, je n'ai pas d'enfant. Parce que je viens d'abord même... je viens de venir prêtre même pourquoi. C'est parce que je voulais vraiment éviter les choses de ce monde. Les plaisirs charnels, je voulais être en dehors de ça. C'est pour cela donc que j'ai postulé. J'ai fait mon vœu de chasteté et je le respecte. J'ai fait le vœu de pauvreté. Il y a même des amis qui veulent me donner des voitures, là, je refuse. Vous voyez que je viens toujours en paroisse à pied. Même la moto, je ne prends pas. Parce que je veux être cohérent envers moi-même. Mais les gens qui viennent vous raconter des histoires là, on m'a vu avec des femmes, on m'a vu avec des femmes en dehors des réunions qu'ils tiennent souvent après la messe avec les dames apostoliques ou bien des associations religieuses là. J'ai dit que je ne cause avec personne. Et pire encore, avoir une femme à la maison avec des enfants. Moi, je ne sais pas pourquoi le diable veut me persécuter jusqu'à ce niveau. Je te pose encore la question pour une dernière fois. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu n'as pas des femmes et des enfants? Monseigneur, là, je trouve que vous-même, le diable veut déjà vous encercler. Je dis encore que je n'ai personne dans ma vie. Je n'ai personne dans ma vie. Je ne sais pas s'il faut qu'on opère mon ventre, comme ça vous allez voir la couleur des intestins. Je dis, je n'ai personne. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je n'ai personne. Personne et personne. Les gens me voient souvent dans leur sorcellerie ou bien c'est quoi, ils se font des films dans leur tête. Déjà, même pour qu'ils soient ordonnés prêtres, ça n'a pas été facile. C'est parti de mon village. Et je connais des personnes là. Elles ont juré de ne pas me laisser tranquille parce que je suis venu avec Dieu au village. Et je sens qu'ils sont encore revenus à la manœuvre. Je dis que je n'ai personne, je ne connais personne, je n'ai rien. Pas de femme, pas d'enfant, pas d'argent, rien, rien. Je suis pauvre comme Jésus. Vous voulez faire quoi ici? Eke. Tu veux faire quoi ici? Bon, Monseigneur, vous savez, je suis un être humain. Donc, faillible. C'est arrivé comme ça, mais ça ne va plus se reproduire. Vraiment, toutes mes excuses. Je vous demande pardon. Ça ne va plus jamais arriver et tu vas continuer où avec ça? Non. Elles ne viennent pas à la messe chez nous. Elles vont à la messe ailleurs. Donc, c'est automatique. On doit t'excommunier. Pardon? Tu dois être excommunié. Excommunier, tout le monde sait que je suis prêt. Comment il veut. Vous allez m'excommunier, comment, mon Seigneur? On va te libérer pour que tu t'occupes aisément de tes enfants, de tes familles, avec les femmes, les enfants. Mais, mon Seigneur, au lieu de m'excommunier, vous ne voyez pas que c'est vous plutôt qui devez faire une pression au niveau du Vatican? C'est-à-dire que, déjà pour être prêtre, il faut être viril. Et comment tu peux être en pleine guerre? Tu as une arme, mais tu ne l'utilises pas. Donc moi, je pense que c'est eux qui doivent faire... On ne peut pas. C'est insoutenable, c'est intenable. On ne peut pas. Chacun a prêté le vœu. C'est moi qui avais prêté ton vœu. Non. Voilà.
Donc c'est la loi. On va te libérer. Moi, je ne peux pas être libéré comme ça alors que j'ai des confrères qui sont aussi dans ça. Je connais. Ils sont nombreux aussi, qui ont femmes et enfants. Il y a même des polygames parmi eux. J'ai la liste ici. J'ai la liste. Voilà. Voilà ça. Tous ces noms, ils sont là. C'est vrai. Parce que je savais que ça devait arriver ainsi. J'ai dit, je ne meurs pas seul. Voilà ça. Voilà ça. Oui. Ils sont là, quand ils arrivent ici, ils font comme s'ils étaient des anges. Alors qu'ils étaient même parmi les gens qui ont monté le couloir pour qu'on vienne vous dire que moi j'ai femme et enfant. Alors qu'eux aussi, ils sont dans ça. Mais l'église est pourrie. Hein? C'est comme ça. Et moi, si vraiment vous m'excommuniez, moi je ne peux pas rester comme ça sans être prêtre. Moi je vais aller chez les Gallicans. Moi j'ai déjà porté la soutane, moi je ne peux plus enlever ça. Si c'est avéré qu'ils sont vraiment mariés, vous serez tous excommuniés. C'est avéré, c'est moi qui vous dis. S'ils veulent qu'on nous mette comme ça face à face, je connais même leur domicile. Je vais aller montrer que voici c'est la femme de terre, voici les enfants ici là. Ils sont là. Ah. Ils sont là. Bon. Merci de m'avoir fourni la liste. Vraiment. Vous voulez faire quoi ici? Ne m'a même pas aimé. Vous voulez faire quoi ici? On vous demande de rester là où vous allez. Vous voulez juste quitter. Vous voulez chercher quoi? Vous voulez chercher quoi?